silence, s'il vous plaît. Silence. Action. Je dirais que ce qui est à l'origine de l'invitation de Jean-Philippe au Louvre, c'est plutôt un roman qui est Fuir. J'ai écrit à Jean-Philippe, tout simplement, une lettre qui était peut-être un petit peu exagérée, où je disais toute l'admiration que je pouvais avoir sur ce texte, qui pour moi a été l'un des textes les plus beaux que j'ai pu lire ces dernières années. Et la rencontre s'est faite. C'est là que Marie apprend la mort de son père. C'est là que Dolores Chaplin, d'un point de vue beaucoup plus élevé que le mien, a pu nous émouvoir avec le téléphone, évidemment le regard qui est celui de la douleur, et mimer finalement ou donner corps à ce qui était un fantasme littéraire qui était la Marie de Fuir. On l'a. Merci Dolores. Il y a la grande fuite dans la grande galerie. Donc ça, c'est un très beau moment du tournage, c'est-à-dire un très très long travelling pratiquement sur toute la longueur de la grande galerie où Marie, Dolores Chaplin jouant le personnage de Marie, s'éloigne en courant. Elle accélérait le pas et tâchait de quitter au plus vite les 200 mètres en enfilade de la grande galerie, comme pour fuir la nouvelle qu'elle venait d'apprendre. Déviant à peine sa trajectoire et n'hésitant pas à bousculer les visiteurs qui se trouvaient sur son chemin. Je mangeais le vernis de la montre qu'on a fait, ce qui me paraissait pas mal. Bravo, hein? Bravo.